been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am and I've been. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre. Je continue ma playlist. Donc aujourd'hui c'est le pop manga Mermaid and Oversea Creatures de Camille Aderico. L'édition est pas ouf, mais on n'a pas le choix avec cela. Donc voilà. Vous aviez possibilité de détacher la couverture et de la mettre en couleur. Ça, je sais pas trop avec quoi on pourrait le faire, mais je sais pas. C'est du plastique, mais derrière, je sais pas si. J'ai jamais regardé en fait. Si derrière il y a quelque chose. Ouais. Donc celui-ci, je l'avais acheté en occasion sur Vinted. Oh, j'ai ma batterie qui clignote. C'est pas cool. Il y avait encore 2 barres il y a pas longtemps. C'est pas cool. Donc on va se dépêcher. Voilà. Puis après, bah, aller recharger, cocotte. Donc c'est l'édition Watson et Watson Gubil, Californie. Californie, New York. Ouais, Californie, New York. Donc celui-ci, c'est un peu comme le. C'est celui qui est sorti avant le Cute and Creepy. Hein. Donc il y a des. Je trouve qu'il y a des dessins qui ressemblent au Cute and Creepy. Et d'autres, bah, c'est carrément différent. Les traits ne sont pas les mêmes. Celui-ci, il aurait pu aller dans le Cute and Creepy par exemple. Celui-là aussi. Ça, par contre, je sais pas trop. C'est. Voilà. Son manteau là. Il y en a, ils ont l'impression d'être bien finis, que d'autres on a l'impression que c'est une ébauche, enfin que c'est, je sais pas. Un qu'on a vu, non? C'est moi qui fabule. Hein? Ça ressemble quand même, hein? Enfin bon, bref. Il faudrait que j'y retourne. J'ai fait qu'une double page dans celui-ci pour l'instant. On le voit, hein, on l'aperçoit derrière là. On sent qu'il y a eu quelque chose. Et ouais, l'aquarelle, c'est pas ouf dans ce bouquin, mais bon, tant pis. C'est ce qui m'a inspiré le plus. Donc, vous voyez pas utiliser du crayon de couleur dans tout le fond, hein, clairement. Voilà, voilà. Alors cette double page, hein, voilà. Comment vous dire? Mais les traits sont complètement différents. C'est vraiment bizarre. Entre ces deux pages, on dirait que c'est pas la même illustratrice. Encore
encore, ça ressemble encore pas mal à ce qu'on a vu depuis là. Mais il faudrait que j'y retourne. J'en ai dit, oh, il est beau celui-ci. Il est très beau celui-ci. Donc voilà pour ce petit livre de Camille Aderico, le pop manga Mermaids and Other Sea Creatures. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!